like the world is on our side. Nothing can bring me down tonight. And ooh, baby, when we're together, you and I, your touch sends chills down my spine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que votre année s'est bien finie ou est en train de bien se finir. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont dans les mémoires, les partiels, le bac même peut-être et tout. Donc bon courage pour cette fin d'année. Je vous retrouve avec un vlog agrégation. J'ai d'autres idées de vidéos, j'ai même commencé à faire une autre vidéo qui est complètement différente, qui parle pas du tout d'agrégation et qui est assez fun. Mais comme j'ai les oraux qui arrivent dans à peine un mois, là on est le 16 mai, je mets ça de côté et je vous filme ce que je peux filmer. De toute façon, le but, l'idéal, ce serait de faire ça qu'une fois l'agrégation. On verra bien comment se passent les oraux. Je suis passée par pas mal de hauts et de bas au niveau de ma confiance en moi ces derniers jours. Je peux vous en parler plus tard dans la vidéo. Je pense même que je le ferai sûrement. Vu que je vais, hopefully, le faire qu'une fois, je vais documenter ça jusqu'à la fin. Il fait super beau aujourd'hui. Hier, c'était une journée trop moche. Le ciel était blanc. Du coup, j'ai passé la journée à la maison à travailler et à réviser. Donc voilà, c'était pas très palpitant. Je pense que cet après-midi je vais aller travailler à l'extérieur. Dans cette vidéo je vais aussi vous montrer un petit peu comment je travaille les oraux. C'est un peu un nouveau territoire pour moi parce que je n'ai jamais vraiment préparé d'oraux avant. Donc bon, et puis il reste qu'un mois et on a une montagne de choses à savoir. Donc je vais aussi vous parler un petit peu de voilà, comment je prépare les oraux, qu'est-ce que je fais dans le peu de temps qui me reste pour me sentir prête quand j'arriverai devant le jury. Je compte faire des live lectures dans ces prochains jours là. Je vais commencer avec la religieuse à partir de mercredi, comme c'est un week-end prolongé. Mon chéri est pas là donc je vais avoir la chambre le soir pour moi pour faire les lives. En tout cas voilà, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager comment vous vivez cette fin d'année aussi et ce que vous avez prévu pour l'année prochaine. Comme ça, ça va nous donner un petit horizon positif vers lequel se tourner quand on perd un peu espoir pour nos partiels, notre mémoire, nos oraux. Bon, maintenant il faut vraiment que je me mette à travailler. Je pense que là je dois avoir une heure avant de partir. Je pense que je vais travailler sur le hors programme et lire un petit peu des choses dans ce truc là, le guide de poche des auteurs grecs et latins. Donc je vais juste prendre un peu les auteurs que je ne connais pas du tout, parce que si je tombe dessus à l'oral, j'aime bien quand même avoir un peu de contexte pour savoir comment commenter les textes. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus aujourd'hui. C'est parti. J'ai plein d'updates à vous faire. Ce matin, on est allé bruncher avec Alizée parce qu'on est toutes les deux à la maison toute seule ce week-end.
Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit truc toutes les deux. Donc on a brunché et on est allé s'acheter un aspirateur. Et aussi j'ai trouvé, ça y est, enfin le petit frère ou la petite sœur ou la delphe de Louis. Vous savez, la petite peluche que j'avais offert à Laetitia pour son anniversaire et qui nous a suivi partout à Paris. Vous aviez trop aimé qu'elle soit dans la vidéo, sur les stories Insta et tout. Du coup je me suis dit que j'allais lui trouver un petit frère, une petite sœur. Et donc j'ai pris cette petite vache. Donc vous avez choisi le nom sur Instagram, elle va s'appeler Rosie. Et en fait c'est un doudou réversible. Donc de l'autre côté il y a un petit cochon trop mignon. Et le petit cochon il va s'appeler Gus. Donc voilà la nouvelle mascotte de la chaîne, notre doudou collectif. Il est trop chou, j'espère que vous l'aimez bien aussi et que j'ai bien choisi. Notre premier achat d'adulte. Genre acheter un aspirateur, c'est vraiment le truc que t'as pas envie d'acheter mais qu'il faut, donc voilà. Ah c'est dommage, ça casse notre carte. Il avait l'air plus grand dans le modèle d'exposition. Oh, y a de la batterie. Oh, il fait de la lumière. Je peux essayer? Bah ouais, vas-y. J'ai jamais utilisé. Ah mais fais-toi kiffer, passe l'aspirateur, y a pas de soucis. J'ai dans la cuisine. On a fait un peu de ménage du coup, j'ai rangé la cuisine, j'ai rangé un peu des affaires qui traînaient. Il faut que je finisse de préparer une colle sur Eustache Deschamps. Je passe en explication, enfin traduction explication sur la balade 121. Je peux vous la lire si vous voulez. Je vous lis la traduction parce que ce sera plus simple pour comprendre. Quelles sont donc les choses que l'on doit honorer au-dessus de tout autre et mieux considérer? Qui accordent la grâce aux condamnés à mort, qui accordent le droit de toucher un salaire, qui font venir l'argent de l'étranger, qui nous ont fait connaître le vrai sens de la foi. Ce sont les quatre choses citées dans ce refrain, l'encre, le parchemin, le papier et la cire. Si quelqu'un a l'idée d'assassiner autrui, il ira à la cour demander une lettre. Il faut aussi de l'encre et du papier pour lever un impôt ou payer les quittances. Et ce sont des copistes qui recopient les lois où le monde serait sans fin. Toutes les garanties, je le dis, nécessitent l'encre et le parchemin, le papier et la cire. Il faut de la brebis bien chanter les louanges et ne pas mépriser les vieux chiffons. Grâce aux mouches à miel, on peut sceller les chartes, où l'encre a servi à écrire tous les mots. Si quelqu'un vous doit quelque chose, dites au secrétaire, débarrassez-en moi, il me cherche querelle, et vous disposerez de tout ce qui vous plaît, d'encre et de parchemin, de papier et de cire. Prince, aujourd'hui le monde est sans dessus dessous, et je vois qu'on ne trouve aucun remède que d'envoyer des lettres. Mais enfin, à celui qui veut faire la guerre, il faudra autre chose qu'encre et que parchemin, que papier et que cire. J'ai fait la traduction déjà, il me reste le commentaire. Je vais relire un peu des trucs sur Deschamps là d'abord, parce que j'ai un peu de temps. Peut-être le cours sur formellement la balade. Deschamps c'est aussi un auteur critique, un penseur de la poésie, parce que dans l'anthologie sur laquelle on travaille, il y a un texte critique qui s'appelle L'art de Didier, dans lequel il décrit les différentes formes poétiques qu'il utilise, la ballade, le lait, le virelet, le chant royal, etc. C'est pas juste un poète qui écrit sans réfléchir à l'écriture, d'ailleurs ça n'existe pas, mais déjà à cette époque-là, il y a une réflexion critique sur les formes et les pouvoirs de la littérature dans sa poésie. Voilà, bref, j'arrête de vous bassiner avec ça. En tout cas, c'est mes premières pistes, on verra ce que je trouve de plus. Mais du coup, là, je vais commencer par relire 2-3 choses sur Deschamps et ensuite, je ferai mon commentaire en 1h30, sachant que j'ai pris à peu près une demi-heure pour faire la traduction. Comme ça, ça me limitera un petit peu au temps que j'aurai au concours.
ça fait un bail. Et honnêtement, je pensais pas que j'allais vlogger de nouveau avant les oraux. Parce que je suis passée par des périodes de stress vraiment intenses, un peu irrationnelles. Mais j'essayais tellement de contenir mon stress qu'à un moment, genre, ça a un peu explosé. Deux fois même. Et bon bref, j'étais pas dans le meilleur des états les deux dernières semaines, les trois dernières semaines. J'arrive un peu mieux à relativiser, mais c'est vrai que c'est vachement plus dur pour les oraux que pour les écrits, je sais pas pourquoi. Pour les écrits, j'arrivais vachement à me dire, bah si tu l'as pas, c'est pas grave. Mais là, je suis tellement près du but que j'ai vraiment peur de pas l'avoir. Mais bon, j'essaye de me calmer, de relativiser. Là, j'ai fait deux cols qui se sont bien passés. Donc ça me rassure, ça me donne confiance en moi, même si voilà, on peut toujours tomber sur des textes qu'on n'aime pas aux oraux quand même et tout. Mais là, je suis un petit peu rassurée par le fait que j'ai à peu près réussi les dernières cols. Aujourd'hui, j'ai très envie d'aller me promener. Je vais travailler sur Platon. C'est une des œuvres du programme antique où je me sens vraiment le moins à l'aise, que j'ai l'impression de moins bien connaître. Donc je pense que je vais emmener Platon, je vais emmener l'Atlante et je vais me faire un peu une relecture transversale des deux livres qu'on a au programme. Pour me remettre un peu en tête tout ce qui se passe dans la République et dans les livres surtout qu'on a au programme. Et puis je vais aussi emmener mon Atlante sur Proust. Je pense que ce soir quand je rentrerai je ferai de la grammaire. Il faut vraiment que je m'y mette à la grammaire parce que j'ai toujours pas trop regardé. C'est parti, je vais faire mon sac et on va se trouver un parc. Et je pense quand même que je vais aller à Sceaux, ça me range bien. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings to tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Some flowers, high grass and bare feet. A tree. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know. Grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good. I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open.
Hello tout le monde. Il reste exactement une semaine avant le début de mes épreuves. J'ai Rosie avec moi pour me soutenir. Ouais, je sais plus trop où j'en suis là. Je passe par des émotions différentes toutes les 20 minutes. Je stresse énormément. Mais des fois, je me sens aussi assez calme. Enfin, j'arrive à retrouver un peu le calme. J'essaye de me rappeler aussi de choses qu'on m'a dites, qu'on m'a expliquées tout au long de ma scolarité sur ce genre de choses, d'épreuves et tout. Par exemple, ma coloc l'autre jour m'a rappelé ce que nous disait notre prof d'histoire en hippo, en cagne, en hippo, ouais. Que quand on passait un oral, on était jugé, et même à l'écrit, en fait, on était jugé sur une performance à un instant T et pas sur nos capacités en général et tout ça. Et ça m'a pas mal aidé de me rappeler de ça, mais faut pas que je me mette la pression à un niveau personnel en tout cas, juste pour donner une bonne performance et voilà. Ce qu'ils attendent, c'est des profs et du coup des gens qui savent expliquer les choses, qui savent interagir avec les personnes à qui ils les expliquent. Et je pense que la chaîne, ça m'aura pas mal aidé à faire ça, de me filmer en train de parler de choses et d'autres. Les cours particuliers aussi, les tonnes de colle qu'on a fait en prépa, ça aide vachement. Je peux tomber sur un texte que j'aimerais pas, où j'aurais rien à dire et tout. Mais tant que je le fais avec un minimum de conviction, ça peut peut-être le faire quand même, avoir une note correcte et tout, voilà. Sachant que la moyenne d'admission, les années précédentes, elle tournait autour de 8 à chaque fois. Donc c'est faisable d'avoir 8, mais ils descendent jusqu'à 0,5 parfois, mais je me demande vraiment... à quel genre de performance ils mettent 0,5. Voilà un petit peu les choses dont j'ai essayé de me rappeler ces derniers temps. Là, depuis le début de la semaine, ce que je fais, c'est que je révise le matin, enfin la plupart du temps, parce que j'ai aussi des jours où je fais des pauses quand même et je me repose et tout parce que j'en ai besoin. Par exemple, hier, j'ai un peu travaillé sur des chants, mais j'étais avec Sarah et du coup on s'est aussi baladé et tout, on a pu parler, ça m'a aussi fait du bien. Et du coup le matin en général je travaille une des œuvres de latin ou de grec et l'après-midi une des œuvres de français. L'autre fois j'ai fait Diodore Tristan, là je vais faire Catulle Deschamps de nouveau. Et voilà, un peu comme ça tous les jours, comme ça j'aurai à peu près tout revu d'ici mardi prochain. Donc voilà, mais bon, si je commence à trop parler du stress et tout, je pleure. Donc là je suis presque impatiente que ça arrive pour que ce soit fini en fait. Et que cette année soit terminée, que ce stress soit terminé. Je suis tellement fatiguée. Pourtant je dors quand même bien cette semaine là. Ça fait quelques jours que j'arrive à dormir vachement mieux. Parce que je lis aussi avant de dormir et j'ai réussi à lâcher mon téléphone. Mais je suis épuisée émotionnellement vraiment. Dès que je pense... un tant soit peu aux oraux, à l'année dernière, enfin à quoi que ce soit en rapport avec la prépa, à part le strict contenu des cours, j'ai les larmes aux yeux, genre là j'ai envie de pleurer. Ouais, je vous cache pas que la période des oraux, elle a été vraiment super dure par rapport à tout le reste de l'année. C'était vraiment la période la plus dure psychologiquement. Mais ça venait aussi de comment je me parlais, de ma relation avec moi-même, de mes attentes par rapport à moi-même et tout, et de ce que je m'imagine, en tout cas, qu'on attend de nous et tout. Donc c'est un peu dû à moi, ma perception des choses et tout, la quantité de stress que j'ai eu. Mais ouais, c'était vraiment une période assez très difficile. Je pense que quand j'aurai fini les oraux et que je serai passée de l'autre côté et que je me serai prouvé que je peux y arriver et tout, ça ira mieux et je verrai un petit peu plus les enseignements de cette période. Mais pour me prouver que j'y arrive, il n'y a qu'une solution, c'est d'y aller. Et là, je suis juste dans l'attente de savoir si je vais y arriver en fait. Donc voilà, j'ai hâte d'y aller et que ce soit fait et tout ça. Et puis on verra bien. Heureusement que j'ai Rosie. Je vais aller à la Sorbonne aujourd'hui pour réviser à la bibliothèque parce que je me sens vachement plus productive là-bas. Donc bref, allez, let's go travailler. Thank you.
Je suis en vacances, enfin. J'ai encore du mal à me rendre compte que cette année est finie en fait. Hein. On est mardi... Je suis complètement paumée. Parce que comme ça s'est passé sur 2 semaines, je suis perdue. On est le mardi 20. Et hier, j'ai eu ma toute dernière épreuve de l'agrégation des oraux et tout. Donc je me suis dit que j'allais vous résumer ce matin comment s'est passée la semaine des oraux. Parce que... ouais, j'ai pas du tout eu la force de vlogger. Franchement, j'avais juste la force de survivre. Donc... d'aller à mes épreuves, de les faire et de survivre entre temps. Donc voilà, j'ai pas vlogué ou quoi que ce soit. Mais bon voilà, maintenant du coup je prends la caméra et je vous raconte comment ça s'est passé. Je suis vraiment juste déjà contente d'avoir fini. Force à celles et ceux qui passent la semaine prochaine, enfin là à partir d'aujourd'hui, parce que je sais pas comment j'aurais fait pour tenir une semaine de plus avec cette quantité de stress là et tout. Ça aurait été vraiment un carnage pour ma santé mentale. Mais bon voilà, je suis en vie. C'est un miracle. La semaine des oraux a commencé mardi dernier. On n'a pas eu d'épreuve le mardi, mais on a eu une réunion où on a été accueillis par la secrétaire et le directoire de l'agrégation. Et où ils nous ont fait un petit speech en nous expliquant dans quelle mentalité il fallait aller aux épreuves, qu'on devait pas trop s'évaluer parce qu'on n'arriverait pas à s'évaluer correctement. On a eu cette petite réunion et ça m'a pas mal rassurée parce que vraiment quand j'y suis allée, j'étais dans un état d'angoisse énorme. Parce que la quantité de choses qu'il faut savoir quand on arrive aux oraux est tellement énorme et impossible à retenir que je me disais je sais rien, je vais rien pouvoir faire, je vais quoi que, quel que soit quasiment le sujet sur que je vais tirer, ça va être une catastrophe. En gros, j'y suis allée en me disant je maîtrise la religieuse, Marceline, Tristan. Deschamps ça passe, Léry ça passe, mais Proust, je me suis dit si je tombe sur Proust c'est mort. Et le programme de latin, je pensais assez bien le maîtriser, je trouvais assez bien le maîtriser, le programme de grec pas trop. Donc en gros j'y suis allée en me disant je connais bien la moitié des choses. La semaine juste avant les oraux c'était horrible parce qu'il fallait à la fois que je me repose parce que j'étais déjà épuisée et que je révise toutes les choses que j'avais l'impression de pas savoir... Donc c'était un peu compliqué et la réunion ça m'a pas mal calmée et c'était assez amusant parce que vous savez l'été dernier j'ai lu les mémoires de Sarah Bernhardt, Ma double vie, et elle m'avait vachement touchée cette femme et son histoire et la manière dont elle racontait et tout parce qu'elle est vraiment, elle est badass quoi. Et je me suis dit toute l'année sois comme Sarah Bernhardt et tout, tu t'en fous, tu fonces, voilà. Et en fait, pendant la réunion, le directeur de l'agrégation, il a cité Sarah Bernhardt. Et du coup, c'était drôle, il a dit « C'est normal que vous ayez le trac. » Et puis Sarah Bernhardt, elle a dit une fois à quelqu'un qui disait « Moi, j'ai jamais le trac. » Elle lui a dit « Ça viendra avec le talent. » Donc voilà, il nous a cité ça et j'ai trouvé ça amusant. Enfin, j'ai vu ça un peu comme un signe ou en tout cas comme ouais, quelque chose à quoi je pouvais me raccrocher un peu en me disant Sarah Bernhardt est de ton côté. Bon, le soir, évidemment, dès que je suis rentrée, j'ai commencé à paniquer, à stresser. On a reçu nos convocations. L'idéal pour moi, ce qui j'avais l'impression serait bénéfique pour moi, c'était de tomber sur l'ancien français en premier, sur l'épreuve de programme en dernier et sur l'expli français aussi relativement à la fin de la semaine parce qu'il fallait que je retravaille ma grammaire. Donc quand on a reçu les convocations, j'étais à la fois contente et à la fois déçue parce qu'en fait j'avais les épreuves exactement dans l'ordre où je les voulais. Donc ancien français, latin, leçon, expli, grec. Sauf que je suis tombée sur le latin hors programme et le grec sur programme. Et comme je vous ai dit, je me sentais plus à l'aise sur le latin, enfin sur le programme de latin que sur le programme de grec. Donc j'ai un peu flippé toute la semaine en anticipant ce qui allait se passer en grec. Mais c'était aussi l'épreuve où je me suis dit, bon celle-là, t'as le droit de te louper parce que normalement le reste, ça devrait quand même passer relativement bien. Donc bon, j'avais ma convocation, je savais que j'avais le temps de relire un peu des trucs du programme. Au final, j'ai pas du tout le temps pendant la semaine de relire quoi que ce soit quasiment. Et j'étais trop fatiguée quand je rentrais pour travailler, alors j'ai relu la grammaire quand même. Parce qu'on a eu un jour de pause, je pensais qu'on enchaînerait les 5 jours d'affilée. Et en fait, le samedi, on n'a pas eu d'épreuve, donc j'ai pu réviser la grammaire le samedi. Mais voilà, j'ai pas tellement eu le temps de réviser en fait pendant la semaine parce que j'étais trop fatiguée, trop stressée déjà et ça me stressait encore plus de réviser. Donc je bachotais parfois, je relisais 2-3 trucs le matin en y allant, mais voilà, sans plus. Donc voilà, première épreuve, l'ancien français.
Donc je suis tombée sur la balade 12 de Stage des Champs. C'était celle sur Jérusalem, où il compare la France à Jérusalem, la bataille, le poème de circonstance pour la naissance du dauphin et tout. Donc pour le commentaire, je m'en suis sortie parce que je me rappelais de certains trucs sur cette balade et tout. Juste, en fait, il y avait dans le refrain une interjection, le peuple criait « Noé ». Et en fait, ça, j'avais complètement zappé que, en fait, c'était Noël. Donc voilà, ça m'a manqué. La traduction, j'ai fait un petit peu des erreurs. Bon, on a repris, voilà. L'entretien, j'avais un peu du mal à répondre aux questions parce que je les trouvais un peu compliquées. Et puis, on m'a posé des questions aussi de culture d'ancien français que je connaissais pas forcément. À un moment, les Anglais étaient désignés par la périphrase Jean Brut, B-R-U-T-H. Et en fait, j'ai compris que c'était les Anglais parce que dans le contexte de la guerre de 100 ans, ouais, je me suis dit, peut-être il fait un jeu d'homophonie sur brut, les brutes quoi, les Anglais. Et brut qui était aussi l'ancien nom d'une région d'Italie. Et du coup, ça pouvait se rapporter à l'oppression de Jérusalem par Rome. Donc je me suis dit, il y a un parallèle comme ça à faire. Et en fait, elle m'a demandé... comment j'écrivais Brut dans ma traduction, et aussi est-ce que je connaissais le roman de Brut. Alors je connaissais pas parce qu'on fait pas du tout d'ancien français et de littérature médiévale en lettres classiques quasiment, je ne connaissais pas du tout le roman de Brut, et en fait j'y ai pensé après, donc ça m'est revenu, mais que Brutus il a participé à la colonisation de l'Angleterre avec Agricola et tout, mais c'est vrai que j'avais plus en tête la vie d'Agricola de Tacite qui raconte comment son beau-père est allé coloniser les Bretons, les Écossais et tout ça, donc c'était amusant qu'il y ait quand même un rapport avec l'Écosse, mais je l'ai pas saisi, et donc voilà, c'était Brutus en fait, Brut, bon, bref. Donc voilà, des petits détails comme ça qui font que je suis passée à côté de certains trucs dans l'entretien, mais bon voilà, c'était correct, je pense, j'aurais pas 19, mais je pense que c'est pas la cata non plus. Et du coup, le lendemain, j'avais le latin hors programme. Donc le matin, avant d'y aller, parce que je passais qu'à midi, enfin je tirais qu'à midi le sujet, donc j'ai relu un petit peu dans le Zenacher et Fredou, vous savez, c'est un manuel que je vous ai déjà montré, d'histoire de la littérature latine. J'ai relu un petit peu des choses sur Plaut, parce que je n'ai jamais trop travaillé sur Plaut et je savais que ça pouvait tomber. J'ai relu un petit peu des trucs sur Martial, quelques poètes comme ça, Horace aussi. Et évidemment, je suis tombée sur le seul que je n'avais jamais vu de ma vie, bon, que je connaissais de nom, mais je crois que je me rappelle pas trop avoir traduit ni commenté un jour cet auteur, c'est Juvénal. Donc je suis tombée sur la 12e satire, c'était quoi, vers 93 à 124, un truc comme ça. Et donc voilà, j'ai loupé un peu des trucs dans le commentaire, mais bon, voilà. Alors... En plus, c'était quand même assez long et Juvénal, c'est pas très facile à traduire non plus. Donc j'ai passé les 2 heures de préparation à faire la traduction et j'ai dû complètement improviser mon commentaire. Quand je suis arrivée dans la salle avec le jury, je n'avais même pas de problématique pour mon commentaire, j'ai tout improvisé. Évidemment, j'ai loupé des trucs parce que j'improvisais complet. Mais bon, j'étais quand même fière de moi d'avoir réussi à tenir le temps et à avoir des choses à dire en improvisant complètement. Après, on a repris un certain nombre de choses. Bon, j'ai fait des petites erreurs bêtes de traduction. Nulli, je l'ai traduit comme un génitif alors que c'était un datif. Bon, des erreurs de stress et voilà. Donc voilà, je pense que de toutes les épreuves, c'est celle que j'ai le moins bien réussi, je pense. Ou en tout cas, où j'ai le... plus dû improviser, où j'étais le plus déstabilisée par les questions aussi. Donc voilà, ça c'est les aléas du hors programme. C'était un cadeau caché de tomber sur le hors programme de latin, parce que même si Juvénal c'était dur, les sujets de hors programme qui sont tombés en grec, mais c'était horrible. Il y a eu des hymnomériques, il y a eu Hésiode, il y a eu beaucoup de Lucien aussi. Donc voilà, pas très fun. Donc finalement j'étais quand même contente de tomber sur le hors programme de latin, parce que voilà, j'ai pas non plus fait une traduction indécente, je pense. C'était pas à la folie, mais c'était pas horrible non plus. Alors que sur Hésiode, à mon avis, j'aurais galéré et j'aurais galéré à finir. Donc voilà, c'était un cadeau finalement de tomber sur le latin hors programme et pas sur le grec, même si je maîtrisais mieux le programme de latin. Le jour suivant, j'avais la leçon. Donc la leçon, c'est une épreuve de 6 heures de préparation, 50 minutes de passage.
où on doit faire une espèce de dissertation sur œuvre qui ressemblerait à ce que serait un cours slash une séquence sur l'œuvre. Bon. Et donc en fait en lettres classiques on peut tomber sur n'importe quelle œuvre du programme de français, du programme de grec ou du programme de latin. Donc avant la leçon, autant vous dire que j'étais super stressée parce qu'il y avait vraiment des auteurs où je ne me sentais pas du tout à l'aise pour faire une leçon. Par exemple, je m'étais dit si je tombe sur Platon, ça va être la mort. J'avais un peu peur, j'avoue que j'ai mis un tout petit peu de temps à tirer mon sujet. J'étais un peu hésitante et puis j'ai dit allez hop, vas-y fonce. Genre j'étais comme attirée par un des sujets, je sais pas, genre mon... c'était celui du fond du pot. Et j'ai vu mon camarade de classe qui était assis en face de moi pour tirer son sujet, le tirer avec ferveur et motivation. Et du coup je me suis dit vas-y fais pareil et j'ai pris celui du fond, je l'ouvre. Alléluia, miracle, c'était Diderot. Et vraiment Diderot c'est maintenant mon meilleur ami, c'est vraiment genre mon âme sœur et tout, genre je l'aime trop parce que j'ai eu la chance de tomber dessus en dissert et c'était vraiment l'œuvre que je maîtrisais le mieux avant les écrits. Et là je suis retombée sur Diderot que j'ai lu avec vous il y a même pas un mois et ce qui m'a permis aussi de réfléchir sur l'œuvre et tout. Donc vraiment quand j'ai vu Diderot j'étais là mais... j'ai un ange gardien, c'est trop cool. C'est vrai que c'est un peu injuste le format du concours. Bon, même si c'est fondé sur le hasard, on est censé tirer au hasard. Ben, c'est un peu injuste parce qu'il y en a qui tombent sur des sujets cool et d'autres qui tombent sur des sujets pas cool. Donc, bon, voilà. Moi, j'avoue que j'ai quand même eu pas mal de chance, comme vous allez voir aussi dans le reste de la semaine. À partir de la leçon, vraiment, j'ai eu de la chance à chaque fois. C'est comme ça. Si je l'ai, ce sera aussi en partie grâce à ma chance, on va dire. Mais d'une certaine manière, peut-être qu'au final, je m'en serais sortie sur les autres sujets aussi, mais je le saurais jamais parce que j'ai pas été confrontée à une leçon sur Platon, sur Pindare. Donc je sais pas, peut-être que j'aurais réussi, mais je le saurais jamais. Donc bon. Du coup, en leçon, je suis tombée sur Diderot et en plus, j'ai eu un sujet magnifique, c'était les voiles, V-O-I-L-E-S, voiles dans la religieuse. Et bon, quand je l'ai reçu, j'étais un peu dubitative, je me suis dit bon... oui, c'est forcément, c'est le champ lexical de la religion, quoi, le voile, c'est le voile que portent les religieuses, machin truc, mais je savais pas trop où aller. Et puis une fois que j'ai compris qu'il fallait aller dans la thématique du dévoilement, et que ça s'appliquait à la fois à Suzanne, donc à l'histoire en tant que telle à l'intérieur du livre, et aussi à la manière dont est écrit le livre, etc., j'ai eu pas mal de choses à dire. J'ai bien problématisé sur... le voile comme quelque chose qui sert à cacher, à couper du monde, à enfermer et tout. Et le voile qui est aussi un tissu transparent, donc qui laisse voir en transparence. J'ai pu rebondir sur la poétique de la gaze, ce genre de choses, donc voilà. Mais j'ai eu un peu de mal à gérer le temps, parce que j'ai commencé par repérer toutes les occurrences du mot voile dans le livre. Bon, j'en ai loupé deux, et on m'a interrogé sur les deux, j'ai dû les interpréter après l'entretien, ça m'a pris un certain temps quand même. Et puis en fait j'avais pas mal d'idées que j'ai mises dans mon brouillon et après il me restait 2 heures pour mettre mon brouillon au propre entre guillemets et avoir un vrai plan avec voilà, les feuilles que j'allais lire et que j'allais utiliser pour faire ma leçon devant le jury. Et en fait j'ai pas eu le temps de remettre les informations dans toutes les parties. Notamment les parties de la fin, j'avais fait une partie qui aurait été super intéressante si j'avais... eu le temps de me rappeler ce que je voulais dire dedans. C'était la deuxième sous-partie de ma troisième grande partie et elle s'intitulait le voile ou l'obscurité contre l'obscurantisme. Parce qu'en fait c'est vrai qu'en général les philosophes des Lumières ils utilisent plutôt l'allégorie de la lumière ou la métaphore de la lumière pour parler du combat contre l'obscurantisme, alors que ce qui est intéressant dans la religieuse aussi c'est que l'obscurité c'est un facteur qui combat l'obscurantisme. Et je m'en suis rappelée du coup à la fin de mon exposé que je voulais parler des voiles comme des voiles protecteurs ou de l'obscurité comme un facteur de protection dans la religieuse. Donc bref, ça j'ai un peu... je suis passée très en vitesse dessus parce que j'avais rien dans mon brouillon. Dans mon plan que j'ai utilisé à l'oral, donc je savais plus ce que je voulais dire dedans, donc voilà, bon, ça c'était un peu dommage. J'ai eu un peu du mal à me lancer quand ils ont commencé à me poser des questions parce que j'étais déjà épuisée de stress, j'étais épuisée parce que j'avais eu 2 épreuves les jours précédents, et 6 heures de préparation c'est long, j'étais déshydratée, j'avais faim,
Et du coup, il y a un moment où on m'a posé la question de sur quel procédé repose la poétique de la gaz dans les romans du 18e. J'ai eu un blanc, mais vraiment, je n'avais plus rien dans la tête, comme si juste j'avais de l'eau comme ça, ou genre, vous savez, le même avec les trucs, les formules de maths comme ça, et le visage qui recule. Bah, c'était ça en fait, le vide intersidéral dans ma tête. Et j'ai dit, oula, je suis un peu fatiguée, désolée, j'ai un blanc. Et ils m'ont dit, non, mais vous inquiétez pas, buvez. J'ai bu un coup et miraculeusement j'ai toutes les réponses qui me sont revenues à la tête, donc j'ai réussi à répondre. Et après les questions suivantes, j'ai réussi à répondre. Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux au début, et puis une fois que j'ai bu un coup et que je me suis calmée en une seconde, ça allait mieux et j'ai pu répondre aux questions après. Donc j'espère qu'ils se diront, bon, elle était juste fatiguée au début, elle a galéré parce qu'elle était fatiguée, et après ça allait mieux. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas j'étais contente de mon sujet. C'était chouette de finir cette année sur Diderot, que j'aimais pas au début de l'année et qui au final est devenu mon meilleur ami. Donc voilà, c'était un petit moment sentimental. Donc j'étais quand même soulagée que la leçon soit passée comme ça, parce que c'est l'épreuve un peu la plus terrifiante, je trouve. Avec le grec, c'était celle qui me faisait le plus peur, parce qu'en plus j'en avais pas fait pendant l'année. J'aurais peut-être dû, mais j'en avais pas fait pendant l'année et du coup j'avais vraiment peur d'avoir rien à dire, quoi. Mais je m'en suis sortie, donc ça va. Je sais pas après à quel niveau je m'en suis sortie. Hein. Encore une fois, ils nous ont dit de pas nous évaluer, donc je ne sais pas ce que ça a donné. Le lendemain, du coup, on a eu cette journée de pause. En vrai, au départ, je me disais, oh, ça me saoule qu'on ait une journée de pause, parce que je préférerais finir d'un coup et que ce soit fini. Mais je pense que j'aurais pas tenu sans, parce que genre, tous les soirs, genre, quand j'étais dans mon lit et qu'il fallait que je m'endorme, je faisais... J'arrivais pas à dormir, j'étais en panique, je pleurais et tout, juste parce que mon corps, en fait, était... fatiguée, terrifiée et tout, et du coup vraiment je pleurais de stress, j'avais la boule au ventre tous les matins, enfin c'était pas top top. Et je pense que sans cette journée de repos, j'aurais pas tenu et j'aurais moins bien réussi les deux dernières épreuves. L'avant-dernière épreuve, c'était l'explication, le 18 de l'explication française. L'épreuve de grammaire aussi, parce que cette épreuve, c'est une épreuve deux en un, un peu, où on nous pose une question de grammaire en rapport avec le texte qu'on doit commenter, et ensuite on commente le texte. Et donc voilà, le seul sur lequel je ne voulais absolument pas tomber, c'était Proust. Il fallait bien que ça arrive une fois cette semaine, je suis tombée sur Proust. Donc, quand je l'ai tiré, je me suis dit, aïe. Aïe. J'ai pas envie, je vais pas y arriver, donc j'ai un peu paniqué. Et en fait, j'ai quand même eu de la chance, parce que le texte de Proust sur lequel je suis tombée, c'était vraiment le texte parfait pour moi. J'avais vraiment peur de tomber sur un passage où il fallait que je replace les personnages en contexte et tout, mais j'avais pas du tout ça. J'ai eu les pages 24-25 où Proust, enfin, où le héros referme le pastiche des Goncourt, enfin le journal des Goncourt qui vient de lire, qui est en fait un pastiche de Proust. Et où il réfléchit sur son incapacité à déchiffrer le monde et à le voir et à l'entendre. Ou en tout cas, le narrateur réfléchit a posteriori sur son incapacité à l'époque à comprendre le monde. Et en fait, c'était un passage qui avait pour but de mettre en place la mémoire involontaire du lecteur. Bon, ça, c'est un mot qu'on a essayé de me faire deviner pendant l'entretien, parce que j'ai pas pensé à le prononcer pendant le commentaire. Et en fait, du coup, il y avait plein d'indices sur des choses qui allaient être découvertes plus tard par le héros dans Le Temps Retrouvé. Et donc le texte avait un peu une valeur programmatique, donc j'ai pu faire des liens avec d'autres passages du texte, j'ai lu d'autres moments du livre, j'ai pu parler de toutes les grandes théories de Proust, le moi profond, le moi social... Il y avait même le mot recherche dans le texte, j'ai pu parler de l'adoration perpétuelle, j'ai pu parler de la sensation, des anneaux du beau style, de la rétrolecture, de plein de trucs. Et du coup j'ai vraiment eu de la chance, parce que j'ai eu le passage théorique qui annonce toutes les théories qui sont pensées après dans la fin du Temps Retrouvé, comme on l'avait lu ensemble. Bon, évidemment, après on m'a posé des questions quand même, j'avais pas vu certains trucs, j'avais un petit peu fait un faux sens à la fin. Bon voilà, il y avait quelques trucs à reprendre quand même, hein, toujours, enfin c'est impossible en deux heures. En plus, la question de grammaire était un peu dure et surtout assez large. J'avais les modes de construction de la phrase complexe.
Et du coup, j'ai pris 50 minutes au lieu de 30 minutes pour préparer ma question de grammaire. Donc, j'ai eu un peu moins de temps pour le commentaire. Donc, la fin, je l'ai improvisée. Et puis, donc, c'était un peu bancal. Donc, voilà. Et ensuite, en fait, comme je pensais avoir toutes les épreuves dans la foulée, j'avais dit à ma mère, bah, tu viens sur Paris dimanche soir et lundi. Et comme ça, on fait la fin des oraux et tout. Donc, en fait, elle est venue dimanche soir. Mais ça m'a aussi permis de décompresser avant l'épreuve de grec que je redoutais vraiment le plus, qu'elle soit là, parce que du coup bah, j'ai pas révisé, j'y ai pas trop pensé, on est allé au restaurant avec mes colocs et tout, et bon j'étais stressée le matin et tout, comme d'hab, hein, j'ai pas déjeuné, j'avais mal au ventre, voilà, mais j'étais un petit peu moins stressée que je l'aurais été si elle avait pas été là, et donc j'y suis allée tôt, en plus j'ai eu de la chance de passer tôt, je tirais à 10h05 mon sujet. Et donc voilà, j'ai encore eu de la chance parce que j'avais vraiment peur de tomber sur Pindar ou sur Médée parce qu'il y a quelqu'un qui avait eu à traduire 50 vers. Et là vraiment ça aurait été une catastrophe, je pense. Même si pour le commentaire Médée c'était chouette, mais genre j'aurais pas réussi à finir de traduire, impossible. Et je suis tombée sur Platon et j'ai eu de la chance encore une fois sur le texte parce que comme dit j'avais pas envie de passer sur Platon non plus, j'avais l'impression de pas maîtriser trop. Et je suis tombée sur le tout début du livre 2, donc le tout début de notre œuvre au programme, que j'avais traduit deux fois pendant l'année. Bon, pendant l'année, hein, donc je m'en rappelais pas non plus par cœur. Mais je savais de quoi parlait le texte et je savais, comment dire, je connaissais les idées qui étaient formulées. Donc c'était un peu plus facile pour traduire. Et bon, après j'ai fait quand même un gros contresens. Enfin, j'avais pas capté que c'était du discours rapporté, toute cette partie du dialogue, j'avais oublié ça. Et du coup, je pensais que c'était Adimante qui répondait à Socrate. Et en fait, c'était Socrate qui racontait son dialogue entre lui et Glaucon, mais un dialogue précédent. Ça, j'avais pas compris, donc je l'ai mal commenté, mais on a corrigé ça pendant la reprise. Et c'était aussi, comme pour Proust, un passage qui mettait en place tous les jalons de la théorie qui allait être développée ensuite. Il y avait des références à la médecine, il y avait des références à la gymnastique, donc à l'éducation des gardiens, il y avait le chiffre 3 qui était plusieurs fois présent, et vous savez, dans la République, il y a la tripartition des rôles dans la cité, la tripartition de l'âme, les trois vertus attribuées à chacun des gardiens, les trois types de justice, etc. Donc c'était intéressant à commenter le chiffre 3. Bon, bref, il y avait voilà, pas mal de jalons comme ça qui m'ont permis de rebondir. Donc voilà, bilan, je ne vais pas m'évaluer, mais ça aurait pu se passer de manière bien pire. Et c'est vrai que c'est assez... Enfin, je suis quand même contente de la manière dont ça s'est passé, même si là, a posteriori, je suis de nouveau joyeuse, je suis de nouveau positive et tout, parce que c'est fini. Mais vraiment, c'était, je pense, une des semaines les plus dures de ma vie. Et je pense que c'est le cas de tous ceux qui l'ont passé et qui vont le passer la semaine prochaine. La pression est tellement énorme. Alors, on se la met à soi tout seul, hein, parce que, voilà. Si on n'était pas des perfectionnistes, on n'essayerait pas de passer l'agrégation, je pense. Mais on est tous perfectionnistes, on a tous des textes qu'on connaît moins bien. Puis voilà, c'est vraiment terrifiant de se dire notre sort repose entre nos mains. En gros, on tire un sujet et si on tombe sur un sujet qu'on n'aime pas, ben voilà, c'est un peu de notre faute. Donc bref, il y a une pression énorme et vraiment, c'était très intimidant. J'avais énormément de mal à dormir. Je m'endormais quand ça allait à 23h30 et à 5h30, j'étais réveillée. Donc fatigue, stress... C'était vraiment éprouvant et un peu traumatisant et je pense que je vais avoir besoin là d'un peu de temps pour cicatriser même mon cerveau en fait. J'ai dit ça à ma mère hier, ça l'a fait rire, mais en fait j'ai l'impression vraiment que mon cerveau, mes neurones ont besoin de cicatriser parce que je les ai tellement épuisés cette année et cette semaine là que... Mais ouais, la période, toute la période comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, toute la période là avant les oraux et les oraux, c'était vraiment horrible. Psychologiquement, au niveau de la pression et tout, c'était vraiment hardcore. Mais je suis quand même fière de moi d'être allée jusqu'au bout, d'avoir fini ça, d'avoir aussi vaincu ma peur et de pas m'être laissée trop déstabiliser quand je suis tombée sur des textes que j'aimais pas. Au niveau humain, c'était une chouette semaine et puis j'ai pu parler avec d'autres gens qui passaient les épreuves un peu en même temps que moi et c'était assez chouette. De pouvoir échanger aussi avec les autres sur nos peurs, les sujets qu'on voulait pas,
nos angoisses et tout, c'était pas mal au niveau humain quand même, comme expérience, voilà. Donc le bilan en gros, c'est que je suis fière de moi d'avoir vécu cette année. J'ai réussi à garder mon calme jusqu'au résultat des écrits. J'avoue que j'étais un peu en roue libre après. J'étais pas aussi sereine que vous m'avez vu toute l'année dans les vidéos, même si j'étais pas tout le temps sereine, hein, pendant l'année, mais j'arrivais à garder un équilibre entre stress et sérénité. Là, pendant la période avant les oraux, c'était plus du tout le cas. Je suis partie en cacahuète, j'ai fait des crises de panique. J'ai dû faire 3 crises de panique en l'espace de 2 mois, je pense. Enfin, crise d'angoisse ou crise de panique, je sais jamais trop. Mais ça m'arrive pas si souvent que ça d'habitude, hein. Là, c'était un peu chaud au niveau mental. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo non plus parce que ça m'aurait trop stressée. Donc voilà, je vous remercie d'être resté, d'avoir été patient avec moi si j'ai pas posté de vidéo. Je dis aussi bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre temps parce que je sais pas, j'ai dû gagner 100 d'abonnés pendant la période où j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, je suis de retour. Merci de vous être abonné. J'espère que vous trouvez des choses intéressantes sur ma chaîne. Et je vous souhaite la bienvenue dans ma petite communauté. Communauté que j'aime de tout mon cœur et que je tiens vraiment à remercier parce que vous étiez vraiment des amours pendant toute cette année et vraiment pendant cette période des oraux là. Et cette semaine, c'était trop réconfortant et encourageant de recevoir des messages tous les jours sur Instagram de certains d'entre vous. Qui me disait on croit en toi, tu vas y arriver, courage. Même si c'était juste liker mes stories où j'expliquais ce qui se passait dans ma tête ou sur quoi j'étais tombée et tout, j'avais vraiment l'impression d'avoir une cellule de soutien sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment vraiment fait plaisir et réchauffé le cœur et tout de voir qu'on a une petite communauté bienveillante comme ça entre nous et que... Voilà, c'est parti en parlant de livres. C'est vrai que cette année, j'ai plus fait du contenu sur mes études et tout parce que c'était le contenu, entre guillemets, pratique à faire. Mais je pense que c'était aussi intéressant parce qu'il y a très peu de contenu sur Internet sur les études de lettres classiques et sur l'agrégation. Donc j'espère que voilà, ça vous a encouragé si vous aussi vous passiez l'agrégation, que ça vous a intéressé et donné des réponses si vous espérez la passer un jour. Mais voilà, je tenais surtout à vous remercier pour l'ambiance qu'il y a sur cette chaîne et vraiment les encouragements que j'ai reçus ces derniers temps. C'était trop cool et vraiment je vous adore et voilà. Je vais faire en sorte que cette chaîne continue d'être un lieu de soutien, d'entraide et tout. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et j'ai vu ça cette semaine et c'était vraiment beau, donc voilà, je vous remercie vraiment 1000 fois. Je vous remercie d'avoir été avec moi aussi quand on faisait les lectures, parce qu'au final, je suis tombée sur les 2 œuvres qu'on a lues ensemble, donc Proust et Diderot. Et vraiment, ça m'a aidé d'avoir vos réactions aux œuvres, d'en parler avec vous et tout, ça m'a donné les idées, et puis ça m'a permis de vraiment les lire et de moi-même m'investir un peu plus parce que fallait que je vous explique un peu des choses, que je rebondisse sur ce qu'on lisait. Donc voilà, le gros mot de la fin, c'est merci. Quels que soient les résultats, on verra bien. C'est la semaine prochaine, le 27. Et je vous les annoncerai la semaine prochaine, du coup. Même si je sais que... Enfin, même si moi j'en ai marre des vidéos sur l'agrégation et que je pense que vous aussi, il y en aura une dernière là-dessus. Je pense... Quels que soient les résultats, même si j'avoue que j'ai pas très envie de revivre ça une deuxième fois, je suis contente d'avoir fait cette expérience et de l'avoir faite comme ça avec vous. Et j'ai eu aussi beaucoup de soutien de la part de mes amis qui sont trop mimes. Zachary m'a prêté sa montre, Alizée elle m'a hypé tous les matins, elle me disait t'es une badass, tu vas y arriver et tout. Océane c'était la force tranquille et puis elle a aussi eu des oraux cette semaine, donc on a un peu pété un câble ensemble quand on s'est acheté notre peluche. Mon chéri il s'est trop bien occupé de moi, donc voilà, que ma maman soit venue c'était chouette aussi. J'ai eu des appels, des messages de ma famille, enfin c'est vrai que c'est vachement plus facile quand même quand on est bien entouré, donc je vous souhaite d'avoir cet entourage, enfin je le souhaite à tout le monde de toute façon, mais quand on fait des choses aussi difficiles que l'agrégation, c'est vrai que ça aide quand même, et en tout cas si vous, comment dire, vous l'aurez sur cette chaîne en tout cas de ma part et je pense aussi de la part des autres abonnés sur le Discord aussi, vous pouvez
si vous êtes étudiant en lettres classiques ou en lettres tout court, vous pouvez vous connecter au Discord via le lien dans la description, voilà, où on peut discuter, s'entraider et tout, sur des choses un peu techniques, des questions de latin et tout, mais aussi psychologiquement, j'aimerais bien qu'on puisse un peu plus voilà, se connaître et faire des petites cellules de soutien aussi sur le Discord et tout, voilà, j'espère vraiment que cette plateforme, elle sert aussi à ça, à se soutenir les uns les autres et voilà. Fallait que je vous raconte aujourd'hui pour déjà, de un, que j'oublie rien, et aussi que je puisse passer à autre chose maintenant. Même si, évidemment, il y a toujours l'attente des résultats, mais cette semaine, je vais essayer de vraiment pas y penser, juste me faire plaisir, faire des choses qui me font envie, lire un petit peu, regarder des films, aller au cinéma, faire toutes les choses dont je me suis privée là depuis 2 mois et me reposer. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai blablaté très longtemps là, ça va être une catastrophe à monter, mais bon. Je vous remercie vraiment d'avoir été là cette année, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour les résultats. J'espère qu'ils seront positifs, mais quoi qu'il en soit, voilà, je vous remercie d'avoir été là pour moi. Et s'il faut recommencer l'année prochaine, et ben on recommencera. J'ai appris des choses, j'irai pas dans la même mentalité, je réviserai pas de la même manière, donc quoi qu'il arrive, je m'en sortirai, mais j'espère quand même que j'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. On verra. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.